Et salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Bibi300 aujourd'hui. Eh bien on se retrouve sur un jeu que vous avez certainement déjà fait, que vous avez connu, que vous avez déjà pratiqué. Vous allez me dire, bah c'est bien, mais ça fait déjà plusieurs mois qu'il est sorti, c'est quoi ce bordel, on revient sur des jeux comme ça, hein? T'es pas très présent dans le YouTube game, hein? Bibi il fait des jeux 8 mois après tout le monde. Bon, j'avais testé le jeu à l'époque, hein. Mais là pourquoi je reviens dessus? Bon déjà parce qu'il est bon, donc c'est quand même toujours plaisant de revenir sur des jeux qui sont bons. Mais surtout bah, parce qu'il y a du contenu additionnel qui va s'ajouter sur cette version. Ça va d'ailleurs arriver le 17 juillet 2018, hein, au moment où vous verrez cette vidéo, c'est un peu avant, un peu après bien sûr, mais surtout, bah, ça va rajouter deux personnages en plus, des modes en plus, ça va un petit peu redéfinir certains niveaux, changer leurs couleurs, des corrections parfois minimes et parfois de vrais changements. Bref, on sent que l'équipe de développement, l'équipe de production a véritablement entendu les lamentations de certains joueurs et joueuses qui voulaient peut-être une version entre guillemets corrigée sur certains points, ce qui en fait de lui bah, très clairement une version GOTY. Hein, voilà. J'ai même envie de dire, si vous n'avez toujours pas craqué pour ce jeu, bah c'est peut-être maintenant le moment ou jamais, parce que c'est là où on va voir que bah, le jeu est dans sa, entre guillemets, forme finale, même si déjà à l'époque, bah, il était déjà quand même plutôt cool. Mesdames et messieurs, on se retrouve donc du coup sur le fameux Sonic Mania Plus. Oh yeah! Et oui, Sonic Mania Plus, c'est donc un jeu que vous allez retrouver sur vos belles petites consoles. Alors, à savoir que, donc je l'ai eu un petit peu avant grâce à Cormania, donc merci à eux, parce que comme ça, au moins, je peux vous montrer le jeu. Regardez un petit peu ce que ça donne. Oh, que c'est beau! La belle boîte, là, avec un petit carnet dedans, un petit artbook, et surtout la couverture réversible. Et ça, ça fait plaisir. Elle est là. Regardez-moi ça, comme elle est belle, cette petite couverture réversible, qui fait très, très Mega Drive dans l'âme. Ah, ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et donc, eh bien, comme je vous l'ai dit, on se retrouve sur ce fameux Sonic Mania qui, alors, si vous avez vu le test que j'avais fait à l'époque, bah tant mieux. Si vous ne l'avez pas vu, je vous incite à aller le voir, hein, le lien sera en haut ou en bas dans la description, parce que bah, j'avais vraiment aimé le jeu. Honnêtement, c'était pour moi, c'est d'ailleurs ce que j'avais dit, c'était pour moi le véritable Sonic the Hedgehog 4, hein. Parce que franchement, quand tu vois ce qu'a fait la Sonic Team à l'époque sur Sonic the Hedgehog 4, c'était vraiment pas terrible, c'était vraiment pas ouf du tout. Et là, on se retrouve sur quelque chose qui fonctionne mais tellement bien, qui marche tellement bien, et certes, qui fait à la fois quelque chose de très facile, dans le sens où il reprend parfois certains niveaux, certains niveaux que l'on connaît déjà, qui se ressemblent un petit peu ou quoi que ce soit, mais en même temps, ça fait quand même plaisir de voir que, à la fois en prenant le côté vintage de certains niveaux et les autres, on se dit, et des nouveaux, pardon, bah c'est quand même plutôt bien foutu. Et là, on a déjà choisi un des deux personnages, donc, pour cette aventure. Alors, il y a Mighty, qui est ici, et Ray, qui était donc l'autre personnage que l'on avait vu juste avant. Et alors, vous allez me dire, bah, c'est des personnages que je connais pas, c'est très bizarre. Alors, moi, là-bas, j'en connaissais un, parce que bon, c'est surtout Mighty. Mighty qui fait partie donc de ces fameux personnages que j'ai jamais véritablement appréciés, qu'on retrouvait dans Knuckle Chaotix. Et Ray, par contre, donc c'est l'espèce d'autre écureuil jaune, un petit peu bizarre d'ailleurs. Je connaissais pas du tout, je savais même pas qui c'était, pourquoi, comment. Et celui-là est pas trop mal non plus, pourquoi? Parce qu'en fait, chaque personnage, vous allez très vite le comprendre, a ses spécificités et ses capacités. Et notamment, Mighty a cette faculté, voilà, de faire comme cela, comme vous l'avez vu, des espèces de trous, entre guillemets, enfin des trous, des charges vers le sol, pour notamment faire des dégâts sur ses adversaires, mais aussi casser des espèces de murs, de cloisons ou quoi que ce soit, pour ainsi avoir l'ascendant sur son adversaire. Donc des choses finalement, vous allez me dire, bon, c'est des choses très classiques, mais qui fonctionnent bien. En effet, c'est vrai que ça fonctionne bien, et puis surtout, ça véritablement montre un petit peu l'effort de gameplay pour faire en sorte que ce soit pas simplement un personnage qu'on a ajouté vite fait, et basta. Ça, c'est appréciable également. Donc on appréciera. Et pour Ray, bah lui, il a la particularité de planer. Et je peux vous assurer que c'est pas si facile que ça. Parce que quand on essaie justement de planer avec lui, c'est une catastrophe totale. Parce qu'au début, on essaye... En fait, c'est un petit peu à la manière de... comment on appelle ça? Ah,
de Super Mario World. C'est exactement la même manière, exactement le même principe, où justement il faut alterner donc avec les touches du pad directionnel pour pouvoir justement planer avec. On va essayer de le récupérer d'ailleurs. Alors de toute façon, je vais essayer de pas me planter. Oh putain, je le sens tellement pas. Oui, voilà. Donc là, du coup, vous allez me dire, bah c'est bien, mais tu le récupères, machin, tout ça, mais j'ai pas l'impression que tu fasses quelque chose. Alors, c'est d'ailleurs l'une des spécificités de ce mode de jeu, puisqu'on est en fait dans l'autre mode de jeu prévu à cet effet, c'est le mode bis. Et le mode bis, bah, il se joue pas du tout de la même manière que les autres. Faut savoir que là, il n'y a pas véritablement de notion de vie à proprement parler. Pourquoi je dis ça? Pour une simple et unique raison, c'est que ici, la particularité de ce mode de jeu, elle va surtout se situer sur... Alors je vais essayer peut-être à la limite de les changer, parce que là, bon, Sonic et Tails, vous les connaissez. Et le truc, en fait, à savoir, c'est que vous récupérez en gros des personnages. Voilà, vous récupérez en fait en gros des personnages qui symbolisent les vies, tout simplement. Et en gros, bah, quand vous perdez tous vos persos, bah vous perdez complètement la partie, c'est game over. Voilà. Donc c'est vrai que là-dessus, par principe, c'est quand même assez particulier. Regardez, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais perdre ma vie. Donc là, hop, j'ai perdu ma vie. Et là, voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retrouve donc avec Ray, qui a du coup pris la place de Taze. Voilà, tout simplement. Donc vous comprenez un petit peu le principe, vous comprenez un petit peu comment fonctionne le délire. Alors... ça met quand même un petit peu de challenge, je dois bien le reconnaître, parce que bon, certains niveaux restent toujours aussi, entre guillemets, compliqués, pas si facile que ça, donc il va falloir vraiment faire avec et faire attention, parce que du coup, tu sais très bien que certains niveaux, va falloir les faire d'une manière différente. Et là, regardez ce que je fais, et ben voilà, et là, j'ai plané pour arriver donc directement au-dessus du niveau, et voilà donc... Oh non ! Oh ! Ah non, là, 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 la petite boule fourbe. Ah non, mais ça, c'est horrible. La petite boule de fourberie, c'est un truc de psychopathe, ça. Regardez, hop, hop, voilà, on plane bien, et puis on arrive ici. Bon, par contre, ouais, la boule, je suis dégoûté. Hein. Franchement, ça, s'il y a bien une chose qui devait arriver, c'est bien celle-là. Merci, ça fait plaisir. Donc, voilà, le fait d'avoir ajouté donc tout ça, c'est quand même plutôt cool. Et puis, vous l'avez vu, hein, même le niveau en son, vous dites... Bah, c'est bizarre, là le niveau, il a pas la même couleur. Mais en effet, le niveau change de couleur, c'est pas du tout le même. Enfin, c'est pas du tout le même. C'est le même, mais déjà la couleur change, donc c'est quand même différent, etc. etc. Donc c'est vrai que franchement, là-dessus, tu te dis, ah ouais, donc ils se sont pas contentés de juste faire ça. Non, ça va encore. Maintenant, attention, ne vous attendez pas non plus à avoir complètement plein de niveaux. Non, ils n'ont pas été jusque-là non plus. Oui, alors à savoir aussi que Mighty a la particularité de ne pas ressentir... comment je dirais ça? Voilà, quand on fait en fait le saut vers le pic, il ne se prend pas le dégât. Voilà. Ça aussi, ça fait partie des éléments qui sont intéressants. Et donc là, on se retrouve eh bien sur ce fameux clin d'œil. Ah ouais, ce fameux clin d'œil donc à Sonic, Sonic the Hedgehog 2, voilà. Et ça fait plaisir. Encore une fois. Bah de toute façon, ce jeu, si vous avez fait le jeu à l'époque, vous le savez, ce jeu est quand même vraiment et même véritablement un hommage aux anciens Sonic, tout en rajoutant derrière des petites choses de contenu et tout ça. Donc c'est ça aussi que j'avais aimé à l'époque, et là, le fait d'avoir du coup après deux autres personnages, allez, prends le truc. C'est vrai qu'on va le dire quand même que ça rajoute des petites choses plutôt cool. Donc du coup, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire là, de ce point de vue-là. À savoir aussi d'ailleurs pour les sauvegardes, parce que ça c'est quelque chose que j'ai... où je me suis vraiment posé la question, je me suis dit comment ça se passait pour les sauvegardes. Alors il faut savoir que les sauvegardes, moi j'avais une version d'Emat pour le premier, et là c'est une version boîte, bah la sauvegarde elle passe, voilà, c'est à dire que là le transfert de sauvegarde il s'est fait, donc du coup les niveaux que vous avez fait en premier et que vous avez fait entre guillemets dans le premier, bah ils passent, voilà, tout simplement. Donc ça c'est appréciable, ça fait quand même vachement plaisir, parce que du coup on n'est pas là en train de se dire bon je vais devoir tout recommencer ou quoi que ce soit. Non. Au moins la partie principale, c'est à dire Sonic Mania, bah vous n'avez pas à la recommencer, et donc ça c'est cool. Voilà, voilà. Sinon, que dire d'autre? Oui, alors j'aimerais bien vous montrer, alors je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, c'est le niveau bonus, parce qu'il faut savoir que même là, les niveaux bonus ont changé, et ont forcément une particularité, ces niveaux bonus, c'est qu'ils vont vous permettre en fait de déclencher quelque chose.
Alors là, il y a peut-être moyen, justement, vu que j'ai 53 rings, et non pas des oignons rings, c'est pas la même chose. Et alors, est-ce qu'il y en a... Oh là 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 là, attention, attention! Fais pas le fou, hein! On fait pas le kikoumou, hein! Oh putain, oh punaise, je sais pas pourquoi... Ah, je sais pas pourquoi je le sens pas, mon dieu! Et là, j'ai eu peur. Alors là, maintenant, va falloir voir juste à récupérer donc le petit bonus. On va y aller tout doucement, hein! Alors, on va y aller tout doucement, parce que je sais pas pourquoi je le sens pas. Il y a quelque chose qui me dit que... Ouh, j'avais pas vu. J'avais pas vu sa petite attaque de fourbe. Vite. Le mec qui a peur qui dit... Punaise, vite, vite. Bon, je sais toujours pas où il est. On va voir un petit peu ça. Allez, c'est pas ici. C'est pas ici. C'est toujours pas là. Mon dieu. Mais c'est pas possible. Bon, bref, de toute façon, tout ça pour vous dire que ce jeu reste véritablement bon. Enfin, encore une fois, si vous l'avez pas fait, bah c'est le moment ou jamais, hein, de toute façon. Si vous l'avez pas fait, c'est le moment ou jamais, hein, parce que le jeu, bah, comme je vous l'ai dit, il est toujours aussi bon et toujours aussi agréable, toujours aussi sympathique, toujours... Enfin voilà, c'est clairement le meilleur Sonic, l'un des meilleurs Sonic 2D depuis bien longtemps. Putain, c'est ici! C'est bon. Ça allait être compliqué, hein, je me suis dit, putain, regarde bien, quand je l'aurais pas, je serais dégoûté. Et là, vous allez me dire, oh non. Oh non, pas encore un jeu de flipper. Alors, la particularité du jeu de flipper, c'est qu'en fait, c'est là où vous allez récupérer les personnages et les bonus qui vous permettront ainsi, après, d'avoir, entre guillemets, donc pour les personnages, les vies, et pour les bonus, bah, l'avoir le feu, donc pour être insensible au feu, l'éclair pour attirer les rings, etc., etc. Donc, vous passez, en fait, par ce mini-jeu-là, alors qui est toujours le même, hein, ça ne change pas de table ou quoi que ce soit, c'est toujours le même. Et vous avez plusieurs niveaux de table. Voilà. C'est tout. Vous allez me dire, ah, c'est tout? Bah ouais, c'est tout. C'est suffisant déjà, parce qu'en plus, il est un petit peu immonde, hein, on va pas se mentir. Un petit peu dégueulasse, techniquement. Un petit peu, techniquement parlant. Mais bon, ça passe. Et le petit changement, évidemment, quand vous appuyez sur X, vous pouvez changer donc de personnage très très vite lorsque vous avez... Merci beaucoup. Lorsque vous avez donc Sonic ou autre qui va être pas loin. Voilà, bon bah écoutez, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Pour moi, c'est simple, clair et efficace. Voilà, c'est une édition, comme je vous l'ai dit. Ah bah batterie faible en plus, bah, ça tombe bien. Voilà, pour moi, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est l'édition GOTY. Regardez, je vous montre hein, le mode mania. Vous voyez, regardez, là, il y a ma sauvegarde justement de l'époque. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, c'est Sonic Mania avec du contenu en plus. C'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi agréable. Alors, oui, honnêtement, est-ce que ça vaut le coup? Alors, il faut savoir d'ailleurs que au début, on pensait que le contenu allait être gratuit, mais en fait, non. Si vous avez déjà le jeu de base, il vous coûtera, je crois, 3,99€ ou 4,99€, je ne sais plus exactement. Mais c'est vrai que les sons de cloche sont très différents, donc n'hésitez pas à voir, de toute façon, sur le store, ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est que si vous n'avez toujours pas fait le jeu, bah, c'est le moment ou jamais de se lancer dans l'aventure, puisqu'une fois de plus, avec ce contenu en plus, on est clairement sur une édition GOTY d'un très bon jeu. Voilà, ni plus, ni moins, parce que c'est exactement son délire, c'est exactement son principe, mais c'est ce qu'on veut pour Sonic Mania. Et je dirais même plus pour Sonic Mania plus. Allez, merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo. Laissez un petit pouce dessus, ça fait plaisir et ça permet de développer la chaîne. Merci beaucoup. À très bientôt pour prochaines aventures. Merci à vous. Paix, sérénité, force et robustesse. Et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Merci beaucoup.